Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Cities Skylines. Alors on se retrouve avec la save de l'épisode, pas d'avant, hein, parce que il n'y avait plus rien à l'épisode d'avant, hein, si vous vous souvenez bien. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir parce que c'était un petit épisode bonus entre guillemets, c'était vraiment le bazar. Par contre du coup, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de préparer possiblement ce genre de problème là. Donc on va commencer par mettre une unité catastrophe. Voilà. Super. Alors, c'est vrai que j'avais modifié ça. Et c'était pas mal. Parce que oui, évidemment, j'avais commencé l'épisode. Hein. L'autre épisode... on l'avait commencé, quoi. Et j'avais fait des petites modifs. Choses qui ne sont plus applicables maintenant, du coup. On est bon là. Ok. Alors, est-ce que... Ouais, j'avais toujours le prêt. Je vais garder le prêt de 200 000, là. Hein. Vous savez très bien pourquoi. On va investir dans les trucs de... Ah ouais, je peux pas les mettre. Oh. Est-ce que j'achète la zone pour ça? Ouais, j'achète la zone pour ça. Franchement, ça nous a pourri la vie. Voilà, 4000. J'ai plus d'argent, je m'en fous, mais voilà. Ok. Ici, on avait réussi à débloquer, mais je sais plus pour... Ah, est-ce que c'était à cause des... Est-ce que c'était pas à cause des écoles ou... Attendez. Je sais qu'on avait rajouté des collèges, mais on peut aussi rajouter tout ce qui est police. On a ajouté un cimetière aussi. Enfin, un cimetière, non, un crématorium. Alors, on va aussi augmenter... Est-ce que je l'avais fait? Je ne sais plus ce que j'ai fait du coup à cet épisode-ci ou pas. Enfin, à l'épisode précédent. Enfin, pré-précédent. Quand je dis l'épisode précédent, c'est celui avant le bordel. Hein. Vraiment, si vous n'avez pas vu, allez voir parce que c'était... Ben, c'était épique, j'ai jamais eu ça, même en voulant le faire moi, quoi. C'est quelque chose, hein, je ne comprends pas. J'ai toujours pas lu vos commentaires, je suis toujours vainqueur. Donc ces vidéos sont préparées en avance. Et c'est pour ça que je parle comme ça. Ça, on n'avait peut-être pas fini, ouais. On devait finir ça, l'usine d'incinération. Ça pourrait être vachement sympathique de l'avoir. Alors, je suppose que ça, ça ne sert à rien sans le complexe. Pollue moins. Ouais, il pollue moins, c'est vrai. D'accord, ils ont raison. Alors ici, il faut qu'on fasse avancer hein, la ville. Et en même temps, j'ai vraiment peur, quoi. Attendez. C'est tremblement de terre. Ah non, c'est ça, tremblement de terre, ok. Ah, c'est vrai qu'il faudrait mettre ça, hein. Voilà, on va la mettre là. Évidemment, il faut de l'électricité pour ça. Parce que les antennes radio, c'est pas gratuit, ça se fait pas sans rien. Qu'est-ce que je voulais dire? On voulait faire les écoles, donc on va quand même... On va peut-être voir si on peut prendre un autre prêt. Genre celui de 20 000. Voilà, on va ajouter l'Institut des Arts Créatifs. Ah, on a un bâtiment. On a un seul bâtiment. Deux, trois. Allez. On est en train de convaincre les futurs habitants. Venez, on a... Ici sur l'île, non, tous nos bâtiments sont faits justement anti-tsunami... Je sais pas quoi dire d'autre, mais voilà. Normalement, ça, c'est bon. Couverture radio. Ok. On va devoir faire des abris. Hein. Des petits abris, ici.
En vrai, il faudrait qu'on fasse des abris genre proche de l'autoroute. Mais c'est 74 000! Mais ça coûte cher de survivre! Ça peut prendre combien de personnes ici? 1 000. C'est vrai qu'avec 1 000, on peut refaire quand même beaucoup de choses. Combien il y a de personnes ici dedans? 1 200. Et moi, je dis qu'on va sauver ceux-là. On va sauver les côtiers. Voilà. Alors, j'espère que on ne va pas nouveau avoir ça. J'espère que c'est aléatoire. Allez, on est déjà à 5 minutes et c'est bon. C'est déjà bien. Franchement, c'est déjà bien. Alors oui, il y avait un petit feu ici qu'on n'a pas... Attendez, il était où le feu? Il était là, non? Il était là. Yes, regardez-moi ça. Ça, c'est cool. On a des habitants. Ça, c'est bien. Des habitants. De l'argent en plus. Faites-moi rentrer de l'argent, s'il vous plaît. On en aura besoin à un moment donné. Non, je ne vais pas vous dire pourquoi. Vous vivez dans une ville sécurisée. Ça a l'air de pas être agité, ça va. Ok. Ok. On peut peut-être commencer un peu à vivre. Ouais. On pourrait peut-être commencer à mettre des petits trucs comme ça. On attend à peu près 15 000 et on verra bien. J'aimerais du coup mettre ici un... En fait, c'est pour la prochaine zone qu'on pourra débloquer. Donc quand on aura 13 000, on va débloquer ça ici. Ah oui, non, mais c'est vrai, on peut pas débloquer toute la zone. On pourra débloquer qu'un carré, quoi. On débloquera... Ah, mais ça va être chiant, ça. On débloquera sûrement le côté droit, ce qui va être là. Et comme ça, on pourra faire des zones ici. Pourquoi? Parce que je veux mettre un péage. Oui. Un petit péage, ça sera bien. Alors, on peut commencer à vider. Trente mille, c'est parfait. Alors oui, j'avais mis peut-être ici, non? Ouais, on va remettre un encore là. Ok, ici on a la moitié, donc on pourrait encore en mettre un. Mais encore une fois, j'ose pas trop dépenser mon argent. Alors, une bonne nouvelle, c'est qu'on a arrêté de polluer la mer. On pourra à un moment donné mettre ça, non? Collecteur de déchets flottants. Bon, ça coûte cher. Et ça nous rapporte quoi du coup? Diminuer juste la pollution. Ok, donc c'est juste pour diminuer la pollution. Et ce serait bien de diminuer ça comme ça ici. Ça... Oh, ici ça peut être une super zone. Ici ça pourrait être une petite zone là, sympathique. Et ici on peut... Oh, imaginez, ici on marche. Il y a tout un truc pour marcher. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Santé, on va ajouter notre petit crématorium comme on avait fait l'autre fois. Alors, où est-ce qu'on va l'ajouter? Où est-ce qu'on va l'ajouter? On va dire ça, voilà. Alors, trop de bruit. C'est fort probable. Alors, ils vont tous à gauche. Attendez. Je me demande si, comme ici, il y a les futures trams. Ils passent... Ouais, non, ok. Allez, on a un beau flux. Hein. Ça, il faut se le dire. C'est un beau flux. Ah là 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 là, les feux. Je savais qu'il y en avait un qui avait persisté. Ok.
Bon, bah écoutez, on n'a pas l'air d'avoir de tsunami, hein, comme par hasard. Hein. Donc, après, je sais plus à combien de minutes c'était. Merde. Si ça se trouve, ça va être maintenant et j'ai dépensé mon argent pour rien. C'est bien, on gagne l'argent petit à petit, donc on ne doit pas le dépenser. Bon, faut quand même que je fasse un emprunt. 200 000. Allez, soyons fous. Le plus approprié, c'est quand même par ici, hein, je crois. Allez, on y est. On touche cela. Et est-ce qu'on touchait toujours cela ou pas? Ou est-ce que je l'ai mis trop à gauche? Ah, on a touché celui-là. Lui, il est content. Lui, il veut à l'université. Ça, c'est un bon. Alors, clairement, ici, on doit augmenter la taille de la route. Donc, on pourrait le faire. Et j'ai de nouveau mon casque qui s'éteint assez souvent. C'est vraiment pas cool, mais vous l'entendez pas normalement. Donc, vous allez peut-être m'entendre faire du bruit, c'est pour ça que je ne bouge pas. C'est que j'essaie d'enlever la batterie et la remettre. Hop, j'enlève, je remets. On referme et prie avec moi. Voilà, il est connecté. C'est reparti. On va se mettre un petit truc comme ça, voilà. Ah ouais. Allez, on peut commencer à tout déplacer. Boum. Voilà, on va redéplacer ça là. Et ça là. On va les reconnecter, hein. Et maintenant, on peut transformer au moins cette route-là. Celle-ci aussi, cool. Ça, on doit la déplacer. Vous voyez pourquoi à la base, genre, on aurait dû faire des gros trajets? J'avais dit, ouais, non, faudra pas, blablabla. Et là, j'avais tort. Voilà. Et j'avais tort. En vrai, qu'est-ce que j'ai ajouté ici? Parce que... Ah, le métro! Ah oui, mais le métro. Attendez, mon métro. Il est toujours existant là? Normalement oui, hein. Ouais, il est toujours existant. Alors j'avoue que j'ai pas dépensé 60 000 pour juste le connecter comme ça. Par contre, il va quand même falloir que je le déplace deux fois. Donc je crois que je vais quand même le faire. Comme ça, c'est fait. On transforme la route. Alors clairement, ça fait mal, hein, niveau budget là. Non, mais oh là là. Alors on va au moins reconnecter tout ceci. Et on va re-remplir toutes ces zones-là. Repeuplons, repeuplons. Donc il y aura juste ça à enlever dès qu'il sera vide, quoi. Alors par contre, c'est dégueulasse comme vue là. On va quand même retirer le feu, hein. Je crois que il est inutile. Même chose là, là, il faudra voir comment on va faire. Ça va être un bazar, pas possible. En vrai, on devrait se faire genre un tracé spécial qui part sur l'autoroute.
Et que pour nos... Ah, on a des problèmes d'eau ici. Ah bah oui, je l'ai sûrement pas reconnecté là, le nouveau... Voilà. Vous imaginez genre juste une route spécialement pour les véhicules, les poubelles. Alors, toujours rien à l'horizon? Non. Après, il y a de la pollution ou... Est-ce qu'on voit la pollution? Non, la pollution, elle est là. Elle est beaucoup là, ouais. Et ici, hein, évidemment. Évidemment, évidemment. Niveau route, comment ça se passe? Là, c'est un peu le bordel parce que c'est le seul endroit où j'ai laissé le feu. Alors, niveau bus, apparemment, c'est le bordel. On va peut-être augmenter nos bus. Si on fait 200%. Si on fait 200%, ça peut déjà être pas mal. On va voir hein, si ça va aller mieux ou pas. Ok, on a des demandes un peu de tout. Mais surtout niveau poubelle. Donc ça, il faut absolument qu'on le fasse. Parce que j'aimerais être vraiment autosuffisant. Allez, essayons de... Voilà. Super. Ok, donc nos trois trucs ici se vident. Une fois qu'ils seront vides, on les supprimera. Voilà. C'est aussi simple que cela. Ah ouais, c'est tous les nouveaux bus là, c'est pour ça que c'est le bordel. On va voir si après c'est pas trop. C'est limite, hein. Alors du coup, la question c'est... On va pour le moment laisser comme ça, mais si c'est pas le cas, on va enlever la distance. Parce que là, clairement, c'est tous les bus. Et c'est aussi tous nos camions de poubelle qui arrivent. Et en vrai, maintenant, on pourrait supprimer ici. Je vais supprimer ça, histoire que j'aimerais bien qu'en fait il passe par ici. Et j'aimerais même enlever ça, hein, ce serait vachement bien, quoi. Mais je crois que c'est peut-être pas le bon plan. Bon, on pourra sûrement refaire un peu ici, la zone. Ok. Alors, on a notre ferme. Notre petite ferme qui peut être très intéressante à continuer. Hein. Alors ça va déjà mieux niveau trafic. La sortie ici pose un peu problème, mais ça va. Ah, il y a un feu? Ah, il y a un feu. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça parle d'être trop grave. Et attendez, il s'est mis automatiquement ou... Mais il n'y avait pas avant quand même. Si. Je sais plus. Oh. Oh là là. Oh là 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 là. Ok, alors lui, il a trop de bruit, donc on va le retirer. Voilà. On tue trois habitants. RIP les trois habitants. Ça évolue ici. Ici, ça se passe bien. Ah, ils n'ont pas assez d'employés instruits. Hein. Mais peut-être parce que de base, ils sont pas... Attendez, c'est quoi ça? Pourquoi elle est pas... Attendez, elle est fermée la nuit. Ça fonctionne vraiment comme ça? Non. De toute
De toute façon, je vais remettre une école alternative ici, apparemment, parce que... Oui, elle n'est pas active. Ah si, mais il y avait déjà 250 étudiants. Ok. Ah ouais, c'est que 250 étudiants. Et l'autre, c'était 300? Ouais, ça va alors. On pourrait peut-être en mettre même une ici quelque part. Le centre écologique. Tous les bâtiments sont presque les mêmes. Un, deux bâtiments. On dirait qu'il y a trois types de bâtiments. Ah non, là c'est que deux. Ah, un troisième. D'accord. Ah bah je suis content. On n'a pas eu notre tsunami. Yes. Super. Super, super, super. On commence à avoir des petits problèmes ici apparemment, mais... Ça a l'air de se régler. Pourquoi est-ce qu'ils sortent là? Est-ce qu'il y a une raison spécifique? Parce qu'ils ne veulent pas sortir là. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas sortir là? Ah, parce qu'ils sont toujours obligés d'aller tout droit. Non, vous pouvez aller comme ça, les amis. Est-ce qu'on va avoir un amas du coup qui va passer par là maintenant? Parce que du coup là... Ah, il y en a un, deux. Au moins franchement, il y a un joli roulement là. Entrée, hop, sortie. Franchement, ça va. Et je dis beaucoup franchement, mais franchement, je suis content. Ah, c'est toujours ce problème de bus ici, hein. En vrai, peut-être que c'est un tout petit peu trop. En plus, il n'y a plus beaucoup de monde là. Ok, attends. Bon, ils sont quand même bien remplis. Si on fait 185, ce serait juste peut-être parfait. Ok. Bon, bah écoutez, on va arrêter cet épisode ici. On recommencera l'épisode, du coup, avec comme objectif de faire des habitations encore. Se faire des habitations. On pourrait peut-être commencer à réfléchir à cette zone ici, voir ce qu'on va faire. On pourrait commencer à mettre des zones. C'est quoi? Des digues, des quais. Voilà, tous des quais ici autour, comme ça. Attendez, on va essayer de voir ce que ça donne. On va pas bien. C'est chiant que ça illumine plus. Ou alors ça s'est jamais fait. Et c'est moi qui fabule. Je sais plus. En tout cas, les amis, on fait ça au prochain épisode. Merci d'avoir regardé l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! PS, on est à 200 000. Hein.